Salut à tous et à toutes, bonne nouvelle, j'ai acheté une clé USB de 64 Go speed à Cora. Elle coûtait 9 euros seulement. C'est de la marque Extensio, une Rainbow Line High Speed pour faire des vidéos, pour enregistrer les vidéos que vous voyez en ce moment même. Donc du coup ça veut dire qu'au lieu d'avoir 32 Go comme prévu, j'ai carrément le double. Donc ça c'est vraiment génial. C'est une bonne affaire je trouve parce que ça va me permettre vraiment de faire avoir beaucoup de place pour les vidéos. Je me suis aussi acheté Lego World qui était en promo. Alors pour explication, je l'avais déjà le jeu. Je l'avais déjà, c'est un jeu que j'affectionne énormément et je l'avais déjà. Mais j'ai dû revendre à un moment pour de X raisons et je l'avais en boîte à ce moment-là. Mais ici, je l'ai carrément pris en démat parce que c'est un jeu que j'ai envie, que c'est comme Animal Crossing, c'est un jeu que je vais aller tous les jours dessus. Donc, j'ai pas envie que ce soit un jeu qui soit en boîte. Déjà que Dragon Quest aurait été mieux de l'avoir en démat aussi parce que c'est comme Minecraft et tout ça, ces jeux-là, de base, on préfère d'y aller tous les jours comme ça et tout ça. Donc, c'est moins stylé. Donc, comme ça, vous savez que j'ai acheté ce jeu-là. Donc, je viens de l'acheter. Il n'y a plus que 5 euros sur mon compte en banque. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller. Ah oui, et pour ceux qui sont pas au... qui sont au courant, qui savent et qui ont rouspété pour ça, oui, ne vous inquiétez pas, pas de souci. J'ai commandé l'appareil qu'il faut, vous savez, pour régler le souci de son, les bourdonnements. Après, il faut voir si ça fonctionne réellement. Hein. Donc l'appareil, normalement, je le recevrai samedi. Donc aujourd'hui on est jeudi. On est jeudi le 23 du 7 2020. Comme ça vous savez quel moment j'enregistre. Et du coup je suis censé l'avoir le jeudi le 25 2020. Voilà, comme ça vous savez plus ou moins quand je vais avoir ma commande. Et ce que j'ai commandé c'est un truc Phantom, séparateur de terre audio, filtre de courant, de manteau, prise jack 3.5, élimine le ronronnement. Voilà, donc c'est ce que c'est censé faire. Donc voilà, ce truc est censé régler le souci que j'avais, le ronronnement et tout ça. Et ça va permettre vraiment de régler pas mal de trucs. Je regarde un peu ce qui est marqué, excusez-moi. Voilà, c'est ça. Normalement, c'est censé être ça, en tout cas. On va prier pour que j'aurais pas fait ça pour rien. Parce qu'après, je sais pas du tout si, comme moi, je vais l'utiliser. Est-ce que ça peut aider quand tu envoies du signal ou du message? J'en sais rien, on verra. Mais en tout cas, c'est censé, en bref, régler ce souci-là de son, en bref. Moi, j'attends qu'une chose, c'est que ce jeu soit téléchargé 15 minutes, ok. Mais bon, je vais le lancer dès qu'il sera téléchargé. Ici, on va lancer un jeu qui ne demande pas de son. Alors, je pourrais lancer ce jeu-là, mais le problème avec ce jeu-là, c'est que tu ne peux pas régler le son du truc, donc c'est un peu gênant. D'ailleurs, ici, est-ce qu'on peut régler le son? Ça m'aiderait énormément. Console, région, langue, date, heure. Ouais, on s'en fout. Je peux pas descendre plus. Ah, son. Son stéréo. Limiter le volume écouteur. Les écouteurs sont haut-parleurs connectés à la prise jack casque de la console. Alors, je ne sais pas si ça va couper le son si les écouteurs sont débranchés. Donc je ne sais pas si ça va aider à régler le souci de son qu'on a habituellement. Donc ça c'est bon. Ouais, tout le reste c'est bon. Donc voilà. Donc du coup, parce qu'en fait ici ce que je vais faire c'est que je vais laisser tout à fond parce que je pense pas en fait en diminuant le son de ma console, ça change quelque chose en fait. Il faudrait que je vérifie. Mais de toute façon on va pas aller sur Animal Crossing rien qu'à cause de ça. Ou alors je devrais parler assez fort pour être sûr que vous m'entendiez. Mais on va pas aller sur ça, on va aller plutôt sur un autre jeu.
où je sais que un jeu où on peut diminuer le son et qu'il n'y a pas trop de soucis. Je sais pas lequel. Parce qu'en fait, ici, c'est surtout un test, en fait, ce que je fais. C'est parce que comme j'ai acheté cette clé USB, j'ai envie de tester. Allez, on va aller sur Super Lucky Tail. C'est une bonne idée. On va tester Super Lucky Tail. Je vais vous montrer à quoi ressemble ce jeu qui est génial. Vraiment un jeu génialissime. Donc désolé que ça prend un peu de temps. Mais maintenant en tout cas je suis tranquille. J'ai 64 gigas d'espace au lieu de 8. Oui, avant j'utilisais une clé USB. En plus c'était pas tout à fait une clé USB, c'était un mélange entre une carte micro SD de WGO et une clé USB, donc voilà, c'était pas la même chose. Mais là non, c'est plus ça. Donc ici normalement on va pouvoir régler le son. Dès que j'arrive dans le jeu, je vais tout de suite régler le son et le mettre pas non plus trop bas, on pourra entendre la musique, mais assez bas pour que ça gêne pas. Parce que de toute façon ce jeu là je pense le faire aussi, mais en simple détente, let's play et tout ça. Je vais pas forcément y jouer moi-même tout seul dans mon coin. Donc voilà, c'est un jeu vraiment qui est génial et que je vous recommande. C'est un jeu pour les enfants surtout, mais comme je suis un peu un enfant dans un sens, bah ça passe nickel en fait. Non, mais c'est une bonne affaire. Hein. Parce que normalement, je vous explique. Bon, j'ai des problèmes de trucs. Et veuillez m'excuser deux minutes, parce que ça me saoule. Donc excusez-moi, j'ai un souci de chat à la gorge, comme on dit en français. Donc en fait voilà, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va voir dans les options du jeu, normalement on peut diminuer le son, volume d'effet sonore, voilà, on peut le mettre à, on va pas le mettre non plus trop bas, hein. Musique, c'est surtout, en fait c'est surtout les musiques en fait qui peut gêner, on peut un peu réduire, mais les musiques on va les mettre à, ça devrait être largement suffisant, je pense, pour pas gêner le jeu, voilà. On n'entend plus la musique là, c'est bizarre. On va la mettre au mouton. Donc elle est bien là la musique, mais c'est juste qu'elle est pas trop forte pour pas gêner le gameplay en fait. Mais c'est vrai que moi je l'entends pas. Ouais. Attendez. 2 secondes. Hein. Si je fais des pauses temporaires, c'est normal, je dois vérifier que l'on entend bien le jeu de base. Ah si, c'est là, ok, je me rassure. Non mais j'allais me dire, c'est quoi je vois mal. Ok, c'est bon. Si vous avez entendu un doublon temporairement de son d'écho, c'est normal, j'ai augmenté mon AVR média, parce qu'en fait je mets mon AVR média habituellement à 12%. Pardon, c'est le top. À 12% pour pas que le son soit trop fort. J'entends le son, hein, mais la musique je l'entends pas vraiment, mais le bruit que là il fait, je les entends. D'ailleurs on va peut-être quand même encore un chouïa, il est réduit pour être sûr que ça ne dérange pas. Voilà, ça on va mettre à là. Ça devrait être parfait. Donc voilà, on se retrouve sur Super Lucky Tail. C'est un jeu vraiment génial. Je sais plus si je l'ai fait en fait. Oups! Andouille! Donc on va faire un niveau qu'on n'a pas fait. Enfin, je crois. Je les ai tous terminés ou pas? Attendez. Parce que ce jeu-là, j'y joue beaucoup. Enfin. J'y jouais beaucoup. C'est plusieurs mois que je joue plus, mais. C'est parce qu'il y a Animal Crossing. Comme vous voyez, mon personnage est sympa. Je vais vous montrer ça d'ailleurs, les trucs que vous pouvez faire. Donc c'est lui, je pense que vous pouvez aller voir. En fait, vous avez vos gosses. Alors, ça tourne tout seul, c'est chiant. Arrête de tourner. C'est Joy-Con qui fait ça.
alors voilà, tout ce qu'on a. Oui, c'est chiant, ça tourne, mais ça c'est pas moi, c'est le Joy-Con Grip, mon ami, qui provoque. Normal. Ah oui, là ça aussi. Alors, ça fait un peu. Arrête de tourner. Ça fait un peu arc-en-ciel. Ouais, vous voyez, c'est Joy-Con qui sont de l'eau. On va peut-être retenter le truc là, sans le truc qui tourne, parce que c'était chiant. Voilà. Vous voyez un peu tout ce qu'il y a. Bah, ça c'est pas non plus le truc de. Ça par contre, moi je l'achèterai jamais, je trouve ça moche. C'est trop pas de la bagarre. Enfin, je suis pas trop mode ça quoi. Ça fait un peu Wii Fit, un peu truc. Ça fait un peu ninja, ça c'est stylé ça. Et voilà, c'est ce qu'il y a dans ce jeu. Alors, pour vous montrer le reste, je vous montre le reste. Alors, quoi des mondes, voilà tous les mondes qu'il y a. Hein. Voilà, c'est tout. Bah, c'est très bien, hein. La fois vous n'avez pas terminé le jeu. D'ailleurs quand je vais terminer je vais l'archiver parce que si je joue plus c'est bon. Il est génial mais je vais pas le garder sur ma carte SD quoi. Ça sert à rien de garder des jeux que vous ne jouez plus. Je vais me dire que c'est normal. En même temps ici je vous avoue que c'est un test de un test. Hein, parce que le but c'est de tester en fait tout simplement ce que donne la clé USB que je viens d'acheter à Cora. Donc la Rumble Line de la marque Extensio. Est-ce que c'est la marque Extensio hein? Ah, j'ai pas bon. Donc ici je cherche après un endroit que j'aurais pas été faire. Ouais, apparemment j'ai fait tout là. What the fuck? J'ai vraiment tout fait. D'accord, bah écoute, ouais, pourquoi pas. Et puis je pense que ça va être beaucoup mieux d'avoir une clé USB comme ça que d'avoir le truc qui faisait de la merde. Enfin, non, l'enregistrement était correct, je pense. Mais qui sait que c'est peut-être ça qui fait que c'est des trucs qui sont, je sais pas. Peut-être pas. Si c'est le cas, alors j'aurais payé le truc pour rien, puis pas pour rien, ça n'est pas la même chose. De toute façon, ça je verrai, hein. Si je vois qu'après il n'y a plus de soucis de son, ben, ça veut dire que c'était peut-être la clé, machin, qui faisait que ça. Et que du coup, ben, en faisant ça, ben, ça règle le problème, mais je pense pas. Donc voilà, en fait, apparemment, je dois faire le combat. Comment vous dire que je ne suis pas prêt. C'est quel est bien. Bon, on peut tester. Mais je pense pas faire ça maintenant. Bon après vous allez me dire c'est le but ici c'est de faire des vidéos avec celle-là donc on va le faire. Mais bon disons que je réussis pas souvent du premier coup les combats même quand ils semblent faciles. On verra si ça dépend c'est quoi comme type de combat. C'est marrant le truc. Je sais pas s'il peut le faire. Il est comique. C'est de la merde. Come on.
Pokémon. Je vais envoyer ces débuts de ces trucs-là. Très nul. On va pas gagner le feu. D'ailleurs, on va pas gagner le feu. Je sais que c'est chiant le mais ça je peux rien y faire hein. C'est bah je sais pas. C'est pas comme si je faisais. On va se mettre au oui, qui se télécharge. Parce que dès que c'est fait, on va dans Lego World. Hein. Enfin non, on va pas non plus traîner trop longtemps. Je ferai un deuxième épisode pour ça. Non. Oh non, ce sera un long épisode ici. Pour fêter ça et pour tester un peu la clé USB, ça va être bon. On va essayer de faire un épisode. De toute façon, on recommande tout. Je vais sûrement recommander tellement de choses. Parce que je suis pas du tout un pro en jeu vidéo. Tout ça. Et du coup, je vais recommencer plusieurs fois, c'est sûr, à 100%. Ah. Oh. La mère. C'est moi. Hein. Après, il n'y a pas de souci hein, sur le projecteur, c'est jouable. Le seul truc que tu fais, c'est le bullet time. Tu lis le nid. Peut-être qu'il est pas un coup de barre. Le seul truc qui est un peu difficile. Ah,
Ah, mais tu peux beaucoup plus vite. Oh putain, c'est de ma faute. Donc en tout cas c'est rassurant, on sait avoir de retour ses vies à chaque fois, donc c'est intéressant, donc ça veut dire que c'est vraiment faisable quoi. Mais je galère. Normalement c'est 3 fois maximum. Comme ça vous savez. Dès que vous avez fait le troisième, vous avez battu le personnage. Mais vous, comme vous avez remarqué, ça va, il y a quand même un tout petit peu de challenge quand même. Un tout petit peu quand même, c'est un peu. Ah, cool. Yes. Déjà? Oh. Yes. Parfait. Ouais, avec les go-works que je trouve un peu nul, c'est que en fait je ne pouvais pas du tout jouer à plus de 2 en ligne. C'est une émission que c'est juste peut-être jouer en plus de 1. Non, en fait c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas jouer plus que 2 en fait. C'est un peu bien, hein. C'est un peu bien. C'est eux qui ont eu la main. Et quand vous les battez tous les trois, vous gagnez 3 vies. Non, on va y arriver, hein, à un moment donné, j'y arrive pas, mais si je vous dis, on va recommencer tellement de fois. Pourtant, ça semble simple, hein, c'est pas si difficile que ça. On a la récupération. Ah non. Oui, c'est une mode génial. Là, ça devient intéressant à ce niveau-là, parce qu'il y a moins de trucs, c'est toujours 4 fois, mais là, ça devient de plus en plus chaud, parce que t'as moins de trucs. Bon, comme vous voyez, je suis très nul en gameplay, hein. C'est vraiment du pas ouf. Pas du jouer correctement, mais ça va. Ça va ton pouce, ça va ta boîte.
Ah bah c'est bien, on aura fait les chapitres ensemble. Après vous allez me dire, ouais mais c'est con parce qu'on n'a pas fait le début. Bah pourquoi je me casserais le cul à faire le début alors qu'il y a quasiment personne qui regarde mes vidéos. Je veux dire que j'ai pas assez de monde pour prendre me casser le cul à ce niveau là. Et puis je suis, moi non c'est pas ça que je veux, c'est juste partager. Je voulais écrire vraiment des vrais let's play pour ces jeux là. Pour ces jeux là que je veux normalement de base en même temps. Sympa en tout cas. Ah, on va continuer par là. Mais je pense que les bourdonnements devront toujours être là. Parce que en face, c'est un peu plus... Ah oui, donc on est d'accord quand on ne peut pas être truc, voilà que c'est à quoi ça ressemble. On va essayer de trouver le gars qui vend du costume pour voir ce qu'on a débloqué. Yeah.
Et bah après je peux te... apparemment je peux te débloquer. M'aider un hein, petit coquinou. Ah non, c'est pas lui, voilà. C'est pour ça que je vais c'est beau. C'est pas moche, mais c'est pas trop moche. Oh, bah. Peut-être pour aller dans le même truc, peut-être. Ah non, j'ai même une... Tout à voir. Parce que ici, on va cliquer, donc je verrai ça plus tard, pour la prochaine vidéo. Je regarde un peu. On va faire menu principal, comme ça on est sûr que ça va se regarder. C'est une chose sûre et certaine. C'est officiel, ça va se regarder. Non, ce qu'on fait, hop, comme ça, hop, on fait retour et on fait quitter. Ah, bon, en fait, lui n'est pas compatible. Oui, oui. Ah, ben voilà, c'est ce jeu-là que je voulais aller voir. On va faire un peu de Lego War, je vais vous montrer un peu ce que j'avais et après, ben, on va se quitter. C'est un jeu vraiment génial pour ceux qui connaissent pas. C'est un jeu pour les enfants, hein, mais aussi pour les adultes. Mais je veux dire que c'est surtout fait pour les enfants, ce genre de jeu-là. Mais moi, j'adore ce genre d'univers. Voilà, c'est... je vais vous laisser au pire l'intro. Okay. Dans un monde Lego, tout est possible. Et vous voilà, à l'orée d'une aventure créative. Des mondes infinis vous attendent, avec des possibilités infinies et un objectif, devenir maître constructeur. Voyez comme ces magiciens de la brique utilisent leurs outils pour invoquer des créatures. Conjurer des maisons, aplanir des montagnes et façonner la terre elle-même. Vous aussi pouvez manier ce pouvoir. Découvrez et maîtrisez les outils créatifs. Récupérez de nouvelles briques, maquettes et véhicules. Conquérez des mondes. Laissez votre empreinte. Et devenez un maître constructeur, capable de créer de tout nouveaux mondes aux possibilités infinies. Bienvenue dans Lego World. Un truc, donc c'est très beau. Hop.
Bon, vous avez vu l'intro. Hein. Le monde où j'étais pour où j'ai fait des trucs, je pense que c'est là, mode aventure. C'est que je sais plus comment on fait pour le mode allez, pour le mode, ah voilà, là c'est marqué mode sandbox, ok, là c'est marqué mode aventure. Serait-ce là que j'ai fait mon truc? Alors voyager vers le monde, je change pas le mode sandbox. Accepter. Accéder. C'est ce que je veux, donc ça m'a tellement manqué que je suis pressé d'aller voir. Enfin, j'ai ce petit bébé, ce petit jeu. Pour vous, ça doit être débile, hein, mais pour moi, non, c'est vraiment génial parce que c'est un jeu que j'affectionne énormément. Et j'y ai joué la première fois que j'ai acheté, c'était en 2017, 2018. Je sais plus quand. Non, en 2016, je pense que j'ai acheté. Oh, je sais plus. Ouais, c'est en 2017, je pense que j'ai acheté. Oui, oui, quand la suite est sortie, oui, c'est entre 2017 et 2018. C'est ça. Et je l'ai acheté, ce jeu, et du coup... ouais, c'est ça, c'est bien ça. C'est entre 2017 et 2018 environ, entre les deux. Et j'ai joué des heures et des heures. J'avais découvert le jeu grâce à Fanta. Donc, Fantasio 974, l'ami de Bob Lennon. Et du coup, j'ai trouvé, je me dis, mais tiens, ce jeu est trop bien. Donc voilà, je suis en ouhou. Non. Allez, on va voir ce qu'il y a d'autre comme personnage. Ah, j'ai pu jouer des années, donc je sais plus comment ça fonctionne. Il n'y a aucun autre personnage qui m'intéresse, donc je garde toujours le même. Ah voilà, ça c'est bien, ça a été mis à jour plus tard, ça, en fait, et ça c'est cool. Donc vous avez vraiment tout dans l'ordre, et ça c'est vraiment génial. Vous choisissez ce que vous voulez faire apparaître, et c'est vraiment très correct dans l'ordre. Donc là c'est dans le personnage, là on est dans vos véhicules, c'est génial, vous avez des véhicules de ouf, monstres. Ça fait vraiment des trucs de taré, regardez. Locomotive, elle est trop bien. Oups. J'en ai mis deux. Non, une seule. Et voilà, la locomotive, elle est trop bien, quoi. Hop. Je sais plus comment ça fonctionne. Je vais déjà avancer un peu. Je sais pas ce que j'ai fait. Non. Comment? Ah oui, ok. Ok, je me rappelle. Ah oui. Oula, voilà. Ah oui, ok. Regardez jusque où on peut aller quand on dézoome. C'est bien, hein. Et quand on zoome, on peut aller en mode truc. Et ça, c'est cool, quoi. C'est vraiment très bien. Moi je mets habituellement en ce moment là. Donc on va recommencer. Hop.
Faut juste que je trouve le bouton pour démarrer, pour avancer. B pour avancer et A pour reculer. C'est pas attention ça, hein, ça n'avait pas fallu, ça n'avait pas même fonctionné, je comprends pas. Et pourtant j'avais appris. Regardez que tous les trucs que j'ai entre guillemets construit, en fait c'est du pré-construit. Hein. Donc en fait vous allez dans... Je sais même pas si vous m'entendez correctement. Vous allez dans le jeu et vous pouvez pré-déposer des trucs et tout ça quoi. Enfin voilà, en bref c'est ça quoi, c'est ça qui est bien avec ce jeu, c'est ce que j'adore avec ce jeu, c'est cet univers, c'est trop cool. Et les comics c'est où? Non mais range ça. Espèce de wouhou coquin. Non, c'est tout bon. Il est comique hein. Il est trop stylé ce wouhou coquinus. C'est mon personnage de base. Ils sont trop comiques. Non mais j'adore ce jeu. Alors on va les visiter. Hein. Ah, hop, oula. Ça, on peut se mettre en mode comme ça. Ah, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Hop. Masquer ce qu'il fallait, qu'on n'en a rien à foutre. Ah, hop. Et je monte. C'est joli, hein. Bon, enfin, c'est joli. C'est sympa. Vous voyez, c'est une sorte de petit second live, mais on... C'est pour ça que j'adore ce jeu et qu'il me manquait un niveau de ouf énormément parce que ce jeu-là est enfantin. Et en plus là, moi je trouve ce jeu très beau graphiquement, il est très mini, il est adorable. Et ça, j'étais dégoûté de ne plus l'avoir en fait. Donc certainement ça vaut le coup, parce que voilà, ça vaut le coup de récupérer, surtout qu'il était à 15€. Comme vous avez compris, on peut amener beaucoup de choses. Donc, je vous montre un peu tout ce qu'il y a. Ah oui, là, cette maison-là, elle est hantée et tout ça. Donc, je vous montre d'abord une maison que j'ai faite. Voilà, ça, c'est une maison que j'ai faite moi-même. Elle ressemble à rien. Ah, regarde, il y a un autre bout. Vous pouvez interagir avec. Comme ça. Ouais, je suis trop fait, là. Voilà. Vous appuyez sur A. Et ça fait des trucs aléatoires. Ah voilà, et du coup c'est comique. Alors. Voilà. Du coup j'ai mis ça en invisible. Hop, quand on rentre dedans, vous avez des petites choses. Regardez ce que j'ai percé. Tout ça vous avez dans... Tu vois, et c'est ça que j'adore dans ce jeu, c'est qu'on peut faire des trucs qui n'ont pas de sens. Alors, ça, c'est moi qui l'ai construit moi-même. Après, il n'y a pas de quoi à casser trois pattes à un connard, comme on dit, comme dirait Gandhi Radio. Mais voilà, c'est moi qui ai construit ça. C'est mes débuts, en fait. C'est vrai que je voulais récupérer ce jeu parce que j'étais en train de faire des trucs sympas. Et comme j'aime bien cet univers, j'aime bien ce côté enfantin, ça va se refermer ou pas? Je sais même pas si vous m'entendez correctement, si le son est trop fort. Normalement ça devrait aller. Ah oui, ça c'est un truc d'espace. Vous avez des personnages qui font comme s'ils étaient dans l'espace en fait, c'est marrant. Ah, il fait nuit. Je sais plus du tout comment on avance le temps par contre. Retourner à fusée, paramètres. Paramètres, il y a interface HTC, vibration, non. Effet sonore. Ouais, là on peut mettre à 5 s'il faut. Mais non, en fait, c'est pas ça. C'est la musique en fait qui pourrait gêner. Mais je pense que ça gênera pas. Parce que la musique, il n'y en a pas tout le temps en fait. Donc ça gêne pas trop. Dommage qu'il fasse nuit par contre. Oh le wouhou. Regardez ces animations de taré quoi. Regardez l'animation du wouhou quoi. Ça m'a toujours bluffé. C'est trop bien fait. Regardez comme il bouge, c'est trop stylé. Il est bien animé le wouhou. Et il est trop choupi.
Regardez comme il est mignon. Oh, t'as envie de lui faire un câlin. Regardez comme c'est bien animé. Bon, après, on voit direct que ça vient de brosse machin. De la brosse machin, j'ai fait le nom là. Et vous pouvez monter dessus. Voilà, c'est un cheval maintenant. Regardez ces animations que t'as. Enfin, moi, je trouve ça bluffant. Hop. Ah, vous avez un autre. Ah oui, je vais vous montrer ma maison hantée. Je sais plus où elle est. Ce qui me casse les pieds, c'est qu'il fasse jour en fait. J'aurais voulu vous montrer ça au non-jour en fait. Bah, attendez, on va vous montrer autre chose. Je vais vous montrer autre chose. Regardez la station que j'ai faite. Je sais pas si ça se voit correctement puisqu'il fait nuit. Normalement, oui, hein, puisque je vois déjà quelque chose sur. Un balai. Ah oui, un balai à Harry Potter. C'est bien ce que vous pensez, regardez. Hop, voilà. Vous pouvez du coup faire comme Harry Potter. Voilà. Moi, je m'en bats les couilles, je vais laisser ça là. Comme ça, mais voilà. C'est comme Harry. Je vous dis, il y a de tout dans ce truc là. Le seul bémol que je mettrai en négatif, c'est que on peut être que deux maximum en ligne ou en hors ligne. En écran splitté. Au lieu que ça aurait été mieux qu'on puisse être 4 en ligne par exemple, ou au moins 2, plus que 2, quoi, 3. 2 c'est assez juste, je trouve, c'est un peu dommage. C'est dommage qu'il fasse nuit comme ça, parce que moi du coup je vois rien. On va essayer d'attendre un peu. Prends chaque. Du coup, je voulais vous montrer autre chose. C'est arrivé qu'il fasse jour, mais je sais plus comment on avance le jour. Je pense qu'il y a moyen de faire, mais je sais plus comment. J'ai oublié. Non, je vous jure, j'ai complètement oublié comment on fait. Donc du coup, je sais pas du tout comment on fait pour avancer de jour. Donc ça va être compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans ma maison hantée. Mais justement, c'est ça le problème. Moi, je vois rien. Ah, si, j'ai vu la porte. Je suis rentré là. Apparemment, oui. Ouais, maintenant, je vois rien. Faudra attendre. Vous voyez correctement. Moi, je vois rien avec ce vidéoprojecteur. Je vois rien. Il faut pas oublier que le vidéoprojecteur que j'ai là, c'est un vidéoprojecteur qui Liaber de marque générique. C'est tout qui coûte pas cher, quoi. C'est un vidéoprojecteur que j'ai acheté à 67€. Ces coffres-là, ça sert à rien. Quand vous êtes en mode sandbox, ça sert à rien. J'ai acheté ça à 67€ et en fait, c'est un vidéoprojecteur qui fait du 480p 60fps constant. Il supporte des vidéos, donc il reconvertit des vidéos en 1080 60fps, pas plus. C'est le strict minimum pour comme ça, quoi. Quand t'as pas beaucoup de thunes, ça fait, c'est super, c'est sympa. Mais voilà. Désolé pour le cri. Le seul problème, c'est que vous voyez direct le souci, c'est que ben, quand on arrive à la fin, voilà le problème, c'est que ben, quand on arrive sur, quand on veut jouer à des jeux vidéo, voilà, il y a un bémol qui se fait, c'est ça justement. C'est qu'on peut pas vraiment. Oula, on peut pas vraiment. Son comique, hein, c'est le bonhomme en truc. Petit personnage court. Vous voyez pourquoi j'adore cet univers, il est trop rigolo, trop fun, et mon personnage, je le kiffe, il me fait trop rire. Non mais ce jeu, c'est le jeu de l'amour. Ah oui, et on a des armes aussi. J'ai un marteau piqueur, je vais vous montrer qu'est ce que ça fait, hein. Voilà, j'ai fait un trou, et vous pouvez faire des trous et tout ça. Faut vraiment tout faire. Bon, là du coup j'ai fait un trou pour rien, je suis un gros imbécile, mais c'est pas grave, je vous montre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ben, il y a une paille, il y a une pioche, il y a de tout en fait. Vous avez vraiment tout, regardez. Il y a vraiment de tout. C'est pour ça que je vous dis, ce jeu, il est vraiment génial. Vous faites chier, ben, ce jeu est fait pour vous. Vous avez vraiment de tout. Il y a de quoi s'amuser. Pourquoi tu tires pas? Ah voilà.
Regardez. Est-ce qu'on ne spawnerait pas dans Star Wars par hasard? En garde! En garde! En garde! C'est pas ça! Alors, ça sert à rien, mais. Ouh, beau gosse! Voilà, vous voyez, ce jeu est un bébé de la technologie. Non, mais ce jeu, c'est le jeu de l'amour. C'est vraiment le jeu de l'amour. Bon, alors, j'attends qu'il fasse jour, en fait. Hein. Ça prend un peu de temps, mais je pense qu'on va arriver au jour. Regardez la colométrie vers le fond. Ça va, là, je vois. Ça veut dire qu'on arrive au jour. Alors, je vais vous montrer pourquoi c'est moi qui ai terraformé cette zone. Hein. Parce que de base, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Regardez. Bonjour, toi. Hop. Vous voyez que le jeu, graphiquement, il est magnifique. Hein. Je sais pas s'il est à 30 ou 60 fps constant. Hein. Il se fout de moi. Calculette. Vous voyez, les interactions sont fun. Ah, voilà la zone cinéma que j'avais. Regardez comme c'est... Et c'est pas génial, non? C'est pas cool. Non, mais ne dites pas que ce jeu n'est pas fun, quoi. Vous avez tout. Vous avez tout, regardez. Bon, après, moi, j'ai fini le jeu. Hein. Après, le jeu n'est pas difficile du tout. Hein. Il est même très facile, il me semble. Je m'en souviens un peu parce que ça fait déjà un bon moment. Il me semble qu'il est facile, puisque si moi, j'arrive à terminer un jeu... Ça veut dire que le jeu est facile. Là, vous pouvez être sûr et certain comme moi, vous pouvez vous abonner pour ça. Si vous voulez un jour, vous voyez que j'ai terminé un jeu. Ok, vous pouvez dire, oui, vu que ce mec, il est complètement nul dans les jeux vidéo, c'est que c'est un jeu ultra facile. Quoi. Et oui, c'est blessant, mais oui, c'est la vérité. C'est que le jeu est très simple. Alors. Voilà, enfin, il fait jour. Ça, c'est top. Et ça fait du bien d'avoir enfin une clé USB de 60... Voilà, maintenant vous voyez mieux les personnages. Ça fait du bien d'avoir une clé USB 64 Go, parce que là, mon haveur média ne rouspète plus parce qu'on n'arrive pas à la fin de l'enregistrement. Et ça, c'est cool. Enfin, on a ce qu'il faut. Donc ici, ben, du coup, comme vous voyez, il y a des pyramides. C'est des pyramides que normalement, on peut casser, vous voyez, pour faire des mondes et tout ça. Mais voilà. Donc, ce qu'on va faire ici... On va remonter où j'avais fait mon monde. Vous voyez qu'il y a un truc bizarre, c'est justement le voie. Attendez, parce qu'il y a un truc qui me casse les couilles. C'est quoi encore? Hop. C'est le machin d'aide. Je sais comment on joue, merci. Vous voyez, ça c'est bien parce que au cas où vous avez sauté, action, capacité à interagir, rouer maintenant et tout ça, vous avez vraiment, si vous êtes perdu, vous avez toujours les commandes. Et ce jeu est vraiment très bien. C'est vraiment un jeu pour les gosses, mais je suis un gosse dans ma tête. Même si j'ai 27 ans. Du coup, ce jeu, pour moi, c'est le jeu de l'amour. Le jeu de l'amour. Voilà. Joli pop-up. Donc, on va aller vérifier ce que je voulais vous montrer. Parce que maintenant, il fait jour. D'ailleurs, en passant de ça, j'ai oublié de fermer ma banque. Hé hey. Ah. Je vais me dire un truc. Alors. Parce que je sais le bruit qu'il fait, hein, j'ai l'habitude. Alors, il est trop comique. Voilà. Il se fout de votre gueule. Ah, ça c'est génial. Ah putain, cette animation, ouais. J'adore l'animation de celui-ci. Oh, il s'est cassé. Ah, c'est bon. Okay. C'est pas normal qu'il y ait un truc. Attends, je vais te sortir la petite boue. C'est bloqué. Oh, ouais. Petit petit boue est sorti. Marche, petit truc, marche. Moi, je suis petite crotte, on te filme, on te regarde, tu es une star. Hein? Parce que t'es tout mignon. Trop beau. Oh, il est trop chou, c'est ça. Avance, petite crotte, avance. J'adore. Regardez ces animations qui sont clean et propres, c'est vraiment super bien fait. C'est moi qui l'ai ajouté, cette petite truc compressée. On peut ajouter des animaux, des humains et tout ça, on peut tout faire de toute façon. On va aller visiter ma maison. Elle est magnifique.
Elle est pas magnifique, ma maison. Elle est belle, hein. N'est-ce pas? Je fais le tour du propriétaire. Avec un joli trou. C'est un peu une maison à la famille Adams, vous allez me dire. Ben oui, c'est ça. Et vous avez vu, il y a des ombres portées. Hein. C'est ça aussi qui rend ce jeu magnifique. Alors, maintenant on va rentrer dedans. Ah, je vois mieux maintenant. Voilà à quoi ressemble ma maison. Donc vous avez un poste de TV, un divan, des trucs bizarres que j'ai mis. Ça fait très Halloween. C'est sympa. Hein. Normalement, je vais avoir un frigo chelou aussi. Regardez. Comique, hein. C'est lui qui fait ce bruit de grincement. Vous entendez? Voilà, c'est lui. C'est comique, je trouve. C'est très rigolo. C'est très fun. Alors, ce qu'il y a d'autre? Ah oui. Ça fait tellement du bien d'avoir plus d'espace dans l'enregistrement. Parce que c'est clair que 8 Géo, c'était trop peu. 64 Géo, c'est 8 heures. En fait, en tout, ça me fait 8 heures d'enregistrement. Ou 7 heures. Tu me dis 7 heures, tu vas pas faire 7 heures. Non, je fais maximum 50 minutes, pas plus. Ou je sais pas combien, mais en tout cas, moins d'une heure et quelque chose. Quoi. Donc, j'ai largement assez. Regardez tout ce magnifique décoration. Je sais pas aller en mode doucement. Ah, c'est un peu. Ouais, ça s'arrête tout seul. Ça, c'est Joy-Con caca. Voilà ce que j'ai mis. Voilà, une petite horloge. Tout ça, c'est moi qui ai décoré. Hein. Sinon, de base, la maison, quand vous la faites popper, c'est pas moi qui ai construit la maison, mais voilà, quand vous la faites popper. Vous voyez, même déjà là, je voulais être un mode youtubeur. Hein. Quand vous faites popper la maison, elle est vide, hein, bien sûr. Il n'y a rien dedans. C'est après que vous mettez des trucs si vous voulez. Il me semble qu'il y a un truc pour monter encore. Il y a un endroit où on peut monter. Je sais plus où. Voilà. Voilà. Et là, j'ai dû mettre des trucs. Ah voilà, ouais, c'est ça. Voilà. J'ai mis un ordinateur fâché. Voilà. Un ordinateur qui vous regarde, qui est en mode attention, je vous surveille. Voilà, voilà. Magnifique, magnifique. On est tous émus de toute beauté. Alors là, on peut se péter la gueule un peu. Ce n'est pas grave. Regardez cet effet de lumière. C'est pas petit doux le fond, tout ça. Oups. Donc là, je peux me mettre en face. Bonjour à tous, comment vous allez? On s'en bat les couilles. Voilà, donc ça c'est ma petite maison en ce moment, voilà, c'est ma petite zone de tranquillité. Je suis content enfin d'y retourner, ça fait plaisir, c'est du virtuel, mais ça fait... C'est mon petit second live à moi, c'est mon petit second live gamin. Je suis un gosse, moi. Oula, la luminosité... Okay. Voilà. Je galère. Là on peut peut-être mieux voir les ondes. Des maisons en pain d'épices, on va aller visiter les maisons en pain d'épices. Voilà. Comme d'hab, tout ça c'est des trucs préfets. Hein. C'est des trucs que vous déposez et qui se construisent. Il n'y a rien d'intéressant dans cette maison, hein. C'est vraiment une maison basique. Mais bon, c'est marrant de l'avoir récupéré. Ça c'est pareil. En fait, c'est ma petite. Je fais une petite ville en fait ici. Hein. J'ai pas fini. C'est quoi ça? Ah. Voilà, par exemple, ça je vais devoir penser à le peupler. C'est notre maison, je vais devoir penser à la peupler. Ce serait intéressant de le faire. Ouais, voilà. Ouais, je vais mettre des trucs ici. Je pense mettre des choses. Oula. Un peu difficile quand même. Hop, voilà. Ouais, bon. J'ai rien à habiller, hein. On peut monter tout en haut, il n'y a rien. Hein. J'ai rien mis dans cette maison encore. Je vais foutre des choses. Putain, elle monte très haut cette maison, bordel de merde. What the fuck? C'est une belle maison, mais qu'est-ce qu'elle monte? Oula.
Bon, voilà. En bref, voilà, c'est une maison sympa comme toutes les autres maisons. Donc, j'ai pas que ça en plus. Hein. J'ai aussi des trucs en hauteur. On va y aller. Attendez, on va d'abord tomber. C'est très bien de tomber, c'est important. Alors, il me semble que, de toute façon, habituellement, quand on veut sauvegarder, j'ai appuyé ça. Sauvegarder et continuer. Voilà, j'ai appuyé là pour sauvegarder et continuer. Pour être sûr que ça sauvegarde tous mes avancements, même si j'ai rien foutu, techniquement. Donc, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre en parachute. Dire pourquoi. Ça. Là, j'ai peut-être raté le truc. Ah merde, il est là-bas. Ah, c'était bon. Ah non. Merde. On va recommencer. Voilà. Ah, regarde, il y a un wouwou. C'est pas moi qui ai mis là le wouwou. J'aurais jamais foutu un wouwou coquin là. Pauvre petite truffe, qu'est-ce qu'elle fout là? RIP petit wouwou. T'as rien à foutre là. Voilà, ça c'est mon premier truc que j'avais construit. Encore une fois, c'est pas moi qui ai construit, ça c'est se construire tout seul. Mais... vous avez compris. Voilà, c'est le premier truc que j'avais fait. Voilà. Hop, je vous montre. Voilà. Oula. Il est un peu vers le dessus, c'est un petit coquinou. Voilà, vous avez, ici vous avez un fauteuil. Vous avez un personnage qui est tombé dans les chiottes. Excellent. Encore. Excellent. Ouais, ça c'est un délire avec c'est que il y a des petits délires comme ça comiques dans Lego, dans ce jeu en fait. C'est vraiment un jeu et c'est là que vous pourrez dire que c'est un jeu enfantin quoi. Parce que moi aussi je peux m'asseoir. Hein. Hop, regarde, hop, voilà. D'ailleurs c'est ici qu'on va se quitter parce que j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer. Donc pendant que le temps que ce petit wouwou coquinou donc ce wouwou frérot s'amuse à aller dans les chiottes toutes les 5 secondes parce qu'il est il aime bien ça, il aime bien le caca. Je vous dis à bientôt. Moi je reste avec mon frère wouwou PNJ. Donc personnage non joueur. Ouais, il est comique quand il bouge. Hein. C'est en mode un peu existant, mais ils passent en mode comique pour moi. Ils sont trop rigolos. J'aime bien la façon de faire bruit, c'est comme ça. Enfin, des trucs comme ça, vous voyez. Donc, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. C'était Mister Wouhou. Mister Wouhou. Bande de trutruffes. Et j'espère que cette petite vidéo sympathique et ce partage de ces deux mondes vous a plu. En tout cas, voilà, moi, je suis content. Bien sûr, du coup, j'ai pas attendu du tout d'avoir le truc machin pour pouvoir faire la vidéo. J'aurais peut-être dû attendre, mais j'avais pas envie. Donc du coup, voilà, j'ai fait la vidéo déjà d'avance. Mais voilà, on s'en fout, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Donc je vous dis à bientôt. C'était Mister Wouhou. Portez-vous bien. Et surtout, sortez couvert. Quand je dis couvert, c'est avec un masque.